toutes et à tous. Bienvenue à l'émission Analyse de Bruxelles Corps, derrière ce salle spécialiste en histoire géo. Et aujourd'hui, nous allons traiter de l'Asie centrale. L'Asie centrale, une région capitale au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Bonjour à monsieur Jean-Dominique Mercher. Bienvenue, monsieur. Bonjour. Merci de parler. Alors, l'histoire nous dit que l'Asie centrale est une région capitale au croisement entre l'Orient et l'Occident et a une place importante sur la route de la soie. Toutefois, cette année, on observe un intérêt croissant envers cette région. En effet, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rendu visite aux pays d'Asie centrale. Le cas pour Charles Michel, président du Conseil européen. Et dernièrement, en novembre, le président de la France, Emmanuel Macron, a reçu à Paris, premièrement, le président ouzbek, Shavkat Mirziyoyev, et ensuite, le président kazakh, Tokayev. On sait aussi que le principal fournisseur d'uranium et de pétrole brut à la France. Dans ce contexte, comment expliquer le rapprochement entre Emmanuel Macron, le président kazakh Tokayev et le président Shavkat Mirziyoyev, monsieur? Alors d'abord, je voudrais préciser que je ne suis pas un spécialiste de l'Asie centrale. Je suis un spécialiste des, on va dire en général, mais vraiment, je voudrais absolument avoir l'honnêteté intellectuelle de prévenir vos auditeurs. Il y a de bien meilleurs spécialistes de l'Asie centrale que moi, d'ailleurs, vous en avez interviewé quelques-uns récemment. Vous l'avez dit, l'Asie centrale, comme son nom l'indique, elle est au centre, un peu coincée géographiquement entre deux énormes puissances qui sont d'un côté la Chine, puissance économique et politique, et de l'autre la Russie, puissance militaire et politique. Ce sont des anciennes républiques de l'Union soviétique, 5 anciennes républiques de l'Union soviétique, donc où l'influence russe a toujours été absolument considérable. Et évidemment, dans le contexte de géopolitique actuel, ces pays, comme d'autres, et leur situation sur la carte du monde, essaie de se dégager des influences dominatrices des uns ou des autres. Donc, tous ces pays d'Asie centrale, à chacun à sa manière d'ailleurs, parce que ce sont des pays différents, et 5 pays différents, essaient de ne pas dépendre d'un seul ou de deux de leurs. Donc, ils essaient de multiplier les ouvertures, d'acquérir une forme d'indépendance, dans la plus exactement dans une forme de, en dépendant de plusieurs personnes, de plusieurs États, ils se donnent des marges de manœuvre. Ils ne veulent plus être soumis à l'une des grandes puissances, donc jadis la Russie, avec la crainte évidemment de la puissance chinoise économique considérable, les routes de la soie que vous avez évoquées. Donc, tous ces pays multiplient les échanges avec d'autres, et évidemment l'Europe fait partie des partenaires privilégiés, parce que nous sommes associés économiquement, ce sont des pays qui ont des liens avec l'Europe dans le cadre d'organisations internationales, et donc c'est assez naturel de voir qu'ils jouent la carte des cartes européennes. Alors c'est vrai que la guerre d'Ukraine a accéléré les choses et on voit effectivement, on a vu des tentatives d'établir des dialogues directs avec les deux principaux pays de la région qui sont effectivement le Kazakhstan et l'Ouzbékistan, avec des rencontres à Paris. C'est vrai, c'est la situation générale. Après, il faut quand même relativiser l'importance de ces visites, de ces choses, parce que la France n'est pas un pays très influent dans cette région. C'est pas une région traditionnelle de la diplomatie française. C'est beaucoup moins, par exemple, que c'est peut-être qu'on en parlera, beaucoup moins que le Caucase du Sud, où il y a des liens culturels, historiques beaucoup plus importants. Donc, effectivement, on voit apparaître un monde que les spécialistes de géopolitique appellent un monde multipolaire, où il n'y a plus vraiment de bloc, où chacun joue sa carte sur l'échelle du monde avec ses alliés différents et des partenaires, des alliés
Et donc, c'est ça, c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui avec les républiques d'Asie centrale. Merci. Alors, les républiques d'Asie centrale, ce sont des anciennes républiques soviétiques. De plus, ce sont des républiques turcophones, excepté le Tadjikistan. On sait que la Russie est fortement présente en Asie centrale par l'héritage soviétique. Alors, on sait également que plus à l'Occident, une guerre oppose les Russes aux Ukrainiens. Dans ce contexte, quels sont les risques pour l'Asie centrale après la guerre qui oppose les Ukrainiens aux Russes? Alors, je pense, effectivement, vous l'avez rappelé, je pense qu'il y a certain nombre de ces pays, notamment au Kazakhstan, la crainte d'être un jour traité comme l'Ukraine l'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au Kazakhstan, il y a une forte minorité russe, même si son nombre a été, la proportion a été réduite depuis l'indépendance du pays en 1991 ou 90, enfin au début des années 90, au moment de l'effondrement de l'Union soviétique. Et donc il y a sans doute la crainte, pas forcément exprimée publiquement, mais la crainte qu'un jour, dans la volonté impérialiste du régime russe de Vladimir Poutine, eh bien, le Kazakhstan puisse être l'objet de revendications territoriales ou d'une sorte de soumission à la Russie, un peu comme on peut voir avec la Biélorussie aujourd'hui. Voilà. Donc ça, je pense qu'il y a cette crainte. Je pense qu'elle est spécifique au Kazakhstan parce que les autres pays n'ont plus de minorités russes, n'en ont jamais eu beaucoup, et en tout cas, la situation est assez différente. Donc, je pense qu'il y a effectivement cette crainte, d'où l'attitude extrêmement, à la fois critique et en même temps prudente des gouvernements, et notamment du gouvernement kazakh, parce qu'il y a des liens historiques avec la Russie, qu'on songe par exemple au simple fait que la base spatiale de Baïkonour, d'où sont tirés les fusées russes, est au Kazakhstan. Donc on voit bien que tous ces pays ont un lien historique étroit avec la Russie, ont été colonisés par la Russie au XIXe siècle. Vous l'avez rappelé, derrière, cette région du monde est culturellement, on pourrait dire, turco-iranienne, c'est-à-dire c'était un peu la même civilisation, cette civilisation musulmane d'ailleurs, d'abord, d'influence turco-iranienne et l'Union soviétique, l'ingénierie nationale de l'Union soviétique a fini par créer des États qui sont en train peut-être de devenir des États-nations dans la difficulté pour certains. Avec effectivement des langues turcophones pour quatre d'entre eux et iranophones, enfin iraniennes pour le Tadjik, mais avec des minorités nationales, avec des mélanges culturels très très importants. En fait, c'était des pays avant la colonisation russe où le persan était comme en Afghanistan d'ailleurs. La langue dominante, même si les dialectes parlés par la population étaient des dialectes turcs. On voit bien que la question de l'alphabet, par exemple, est très importante dans ces pays. À l'origine, ils écrivent leur langue en alphabet arabe, puisque ce sont des États musulmans, puis ils vont basculer, sous l'influence russe, et donc ils écriront leur langue en caractère cyrillique, et aujourd'hui, certains basculent dans le caractère, latin. Donc on voit bien. Ce sont des identités nationales en construction, ce qui est tout à fait normal et qui n'a rien d'exceptionnel d'assister à ça, mais le processus est toujours en cours. Vous l'avez pensé, l'Asie centrale cherche à développer une diplomatie multidimensionnelle et à trouver de nouveaux partenaires. D'ailleurs, Shavkat Mirziyoyev, le président ouzbek, quand il arrive au pouvoir en 2016, il essaie d'ouvrir le pays au monde pour trouver de nouveaux partenaires et limiter l'influence russe. On l'a aussi dit, l'Asie centrale a un passé commun avec la Turquie. En effet, ces pays sont membres, excepté le Tadjikistan, de l'Organisation des États turciques.
Donc, d'une part, il y a une puissance régionale qui est la Turquie qui est présente en Asie centrale, et aussi la Chine qui gagne de plus en plus de place en Asie centrale et par le passé la Russie. Dans ce contexte, Charles Michel et le président ouzbek Shavkat Mirziyoyev se sont félicités des mesures prises pour renforcer leurs liens et leur coopération, donc avec, entre l'Asie centrale et l'Union européenne. Face à ces vérités, est-ce que l'Union européenne aura vraiment une place à jouer, un rôle à jouer en Asie centrale, malgré le fait que la Turquie, la Russie et la Chine sont fortement présentes et puissantes dans la région? Oui, je pense que tout le monde a sa place dans cette région du monde. Je crois justement que c'est le souhait de ces États qu'il n'y ait pas d'exclusivité. Personne dans ces pays n'a envie d'être entre les mains d'une puissance, qu'elle soit la Russie, la Chine, qui sont quand même les puissances, la Turquie, qui joue un rôle par son influence culturelle. En même temps, soyons prudents dans le par exemple, ces régions n'ont pas fait partie de l'Empire ottoman. Ont toujours été quand même beaucoup plus, même si elles sont culturellement proches, leurs langues sont culturellement proches du turc. Je ne suis même pas sûr qu'il y ait une intercompréhension facile, par exemple, entre le turc, quelqu'un qui est turcophone de Turquie, et l'ouzbek ou le kirghiz. Je ne suis pas sûr qu'ils se comprennent assez facilement. Déjà, c'est d'assez différent, par exemple, avec l'azéri. Mais bon, ces régions n'ont jamais fait partie de l'Empire ottoman. Au contraire, elles ont toujours été plutôt sous l'influence de l'Empire de la Perse, qui était la puissance dominante, et c'est vrai qu'il y avait une culture commune dont les élites turques pouvaient participer à cela. Donc, c'est autre chose. Je pense vraiment qu'il y a de la place pour tout le monde dans ces pays, y compris pour les États-Unis, même si c'est beaucoup plus compliqué parce que, effectivement, les États-Unis sont dans une rivalité géopolitique forte avec la Chine et avec la Russie. Mais clairement, oui, pour l'Europe, il y a des opportunités, et pour ces pays, il y a des opportunités à établir des liens avec l'Europe. Reste un vrai problème qui est celui de la démocratie. Ces États ne sont pas, à l'exception du Kirghizistan qui connaît lui aussi des problèmes et qui est le plus enclavé, le plus pauvre de tous, ne sont pas des démocraties exemplaires. C'est difficile de prétendre le contraire. Donc ça finit par poser des problèmes à l'Union européenne, qui est quand même assez soucieuse, plus en tout cas que ses États membres, d'avoir des liens, d'avoir une diplomatie publique. Et à ne pas soutenir des régimes trop autoritaires. Donc c'est vrai que il y a des critiques au Parlement européen, et ça se développera, ça. Clairement, plus il y aura de liens établis avec ces pays, même s'il y a des intérêts économiques, des intérêts stratégiques, il y aura aussi, vu des institutions européennes, la question de la démocratie dans ces pays qui se posera. C'est beaucoup plus vrai, je pense, à Bruxelles, dans les institutions européennes, que dans les différentes capitales, par exemple à Paris. Non. Alors, effectivement, les pays d'Asie centrale connaissent encore l'héritage et les conséquences de l'héritage soviétique. D'une part, le système totalitaire, qui est hérité et autoritaire, hérité de l'Union soviétique, mais aussi des catastrophes écologiques telles que la mer d'Aral. C'est aussi une conséquence directe de la politique soviétique. Et les pays d'Asie centrale essayent de faire face à cet héritage qui a encore de nombreuses conséquences dans la région. D'ailleurs, quand on parle d'écologie, l'Union européenne et l'Asie centrale développent un Global Gateway, qui est une politique qui essaie de viser un partenariat au niveau de trois thèmes: le transport, l'énergie et l'eau. Dans ce contexte, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, souligne la volonté de développer un partenariat entre l'Union européenne et l'Asie centrale pour l'approvisionnement des matières premières. Est-ce que le partenariat multidimensionnel entre l'Union européenne et l'Asie centrale se focalise principalement sur les questions des énergies, notamment par le fait que le Kazakhstan et l'Ouzbékistan regorgent de ressources naturelles? Oui, bien sûr, mais
Parce que effectivement, c'est la principale chose que ces pays ont à exporter, c'est de l'énergie. Et c'est aussi des liens, des lieux de passage pour l'énergie avec les oléoducs ou les gazoducs. Et effectivement, il y a en plus, vous l'avez rappelé au début, la question de l'uranium, dont le Kazakhstan est un des très très grands producteurs au niveau mondial. Donc oui, ce ne sont pas des États qui ont des économies très prospères, hein, qui n'ont pas d'industrie de pointe, qui vendent ce que vendent les pays pauvres, c'est-à-dire des matières premières, ce qui est aussi le cas au passage de la Russie. Et donc oui, il y a cette dimension d'exportation d'énergie ou de minerais, d'exploitation des richesses du sous-sol. Ensuite, vous l'avez signalé, il y a la question écologique et ce sont des régions enclavées, soumises à un climat extrêmement rude, un climat extrêmement continental, comme disent les géographes, c'est-à-dire très chaud en été et très froid en hiver, et le changement climatique va aggraver la situation de manière importante dans cette région du monde. Qu'est-ce que les Européens peuvent faire? Oui, c'est vrai que tous ces partenariats seront utiles, mais est-ce que l'Europe mettra énormément d'argent en Asie centrale? Franchement, j'en doute. L'Europe, demain, va avoir à reconstruire l'Ukraine, par exemple, qui sera évidemment un chantier prioritaire pour elle, et qui passera certainement avant l'Asie centrale. Et c'est vrai que les Chinois, pour ne parler que d'eux, auront une capacité financière, une capacité d'intervention en Asie centrale sans commune mesure avec ce que les Européens seront capables de mobiliser. Même si ça reste une zone sensible d'un point de vue stratégique, le voisinage, il faut en parler, le voisinage de l'Afghanistan, le voisinage de l'Iran, qui sont quand même des pays compliqués sur la scène internationale. Et donc oui, on peut pas fermer les yeux à ce qui se passe dans cette région du monde. Mais encore une fois, je ne pense pas que les Européens seront les acteurs principaux. Ils feront des choses utiles, mais je dirais en deuxième main. Assurément, on a pointé le fait qu'il y a un intérêt croissant pour l'Asie centrale, notamment face à la réalité de l'embargo envers les hydrocarbures russes. Mais à côté, on a aussi évoqué la question de l'organisation des États turciques. Monsieur, vous avez une spécialisation dans les domaines de la Turquie et de l'Azerbaïdjan. Et là, on aimerait bien terminer cette émission et essayer de comprendre quelle est vraiment l'importance de l'organisation des États turciques. Quelle est la place de la Turquie en Asie centrale et est-ce que cette union des pays turcophones pourrait avoir un rôle à jouer sur la scène internationale? Oui, mais modeste. Je pense que ce n'est pas le... Je sais que ça correspond à un vieux et profond fantasme national en Turquie, cet espace turc, turcophone, turcique, qui s'étendrait du continent européen jusqu'au Xinjiang chinois. Il y a à l'évidence une proximité linguistique entre ces peuples, mais on pourrait comparer ça à la francophonie, au fond. On en parle beaucoup, mais la francophonie en tant que qu'acteur politique n'a jamais joué un rôle très important. Je pense que si on prend l'histoire, c'est sans doute historiquement, mais on parle du Moyen Âge, la zone dont les Turcs de Turquie proviennent, viennent de cette région du monde, incontestablement. Les migrations se sont faites d'Asie centrale vers l'Anatolie. Ça, c'est voilà. Mais la Turquie en tant qu'État ne s'est pas constituée dans cette région du monde. Elle s'est constituée beaucoup plus tournée vers l'Europe et le Moyen-Orient, là où a existé l'Empire ottoman. Et je pense que c'est dans cet espace ottoman, beaucoup plus que vers l'Asie centrale, que l'influence turque
continuera à s'exercer, même s'il y a effectivement des liens culturels, comme il y en a avec la francophonie, entre la France et les pays francophones, des intérêts économiques. Mais je pense que cette vision est un peu exagérée d'imaginer que une grande fédération d'États turciques pourrait se constituer. D'ailleurs, il suffit de voir que les relations entre les États d'Asie centrale, entre eux, sont assez mauvaises, pour ne pas dire plus mauvaises, plus qu'assez mauvaises. On voit des situations extrêmement compliquées, le symbole de ça étant la vallée de Fergana, qui est une vallée qui est divisée entre trois États avec des frontières qui s'entrecoupent. En fait, tout ça est d'une absurdité totale d'un point de vue géopolitique, un héritage de l'histoire soviétique. Et on voit qu'il y a des tensions permanentes, des affrontements. Il y en a encore eu ces mois derniers avec des morts l'année dernière. Voilà. Donc, je pense que je ne surinvestirai pas cette région parce que c'est pas là que s'est construit la Turquie en tant qu'État. Elle n'a jamais dominé cette région du monde, ce qui n'empêche pas qu'elle peut y établir de très bonnes relations culturelles et économiques. Politique, à voir. Non, merci. Merci, chers spectateurs. Aujourd'hui, on a traité de l'Asie centrale. On sait que l'Asie centrale est un partenaire important de l'Union européenne. On a également pointé les problèmes politiques hérités de l'Union soviétique, notamment en termes des frontières qui ont été tracées par l'Union soviétique. Nous avons également souligné le fait que l'Union européenne est un des premiers investisseurs en Asie centrale. On se retrouvera dans une prochaine émission. Merci, monsieur, d'avoir participé à notre émission. Merci à vous de m'avoir invité. Et bonne année à tous. Au revoir.